Bonjour les scrapeuses, je vous retrouve aujourd'hui pour une carte de Noël avec une colorisation de Gorgeous. Donc j'ai choisi cette Gorgeous là à coloriser sur le thème de Noël, donc ce ne sera pas du tout les couleurs que vous voyez dessus. Et donc j'ai pu utiliser ma stamp planche de Fiskars pour tamponner que je me suis procurée dernièrement, donc j'étais ravie d'utiliser. Pour essayer de voir comment faire et tout ça, et bien tamponner de droit, parce que j'ai toujours du mal avec les autres. Donc j'utilise la Stazon noire, hein, tout simplement, parce que je vais coloriser au pro marqueur. Donc je mets bien tout ça partout. Et donc j'ai pris du papier qui s'utilise avec du pro marqueur pour la colorisation, tout simplement. Donc voilà. Donc je vais coloriser dans les tons de Noël, donc en rouge et du blanc, je crois, de mémoire. Voilà, rouge et blanc. Je vous laisse en musique. Thank you.
Donc je vous retrouve après la colorisation. Donc j'ai détouré avec des petits ciseaux donc la cordeuse pour la mettre sur ma base. Donc là ma base est faite de 13 cm sur 13 cm. Et après j'ai gaufré en avance le papier qui est en dessous avec des flocons. Et vous voyez là les distress que je vais utiliser. Je ne sais plus exactement les noms. Si ça vous intéresse, posez-moi la question en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Donc j'ai travaillé le fond comme beaucoup font en essayant de coloriser tout ça. Donc je fais une partie, les trois quarts on va dire avec du bleu et le bas un peu avec du vert plutôt. Du coup je travaille en premier avec les plus clairs que j'ai et par la suite je vais travailler avec les plus foncés. Donc voilà, je vous laisse en musique pour la suite de la colorisation. Donc voilà, je vous retrouve après le travail du fond de ma carte. Donc j'ai utilisé deux perforatrices Mahé de flocons. Donc j'ai fait la plus grande dans un papier Mahé blanc et l'autre dans un papier calque avec des petites étoiles que je vais tamponner la plus tamponner, mettre en mousse 3D la plus petite sur la plus grande pour faire un petit effet, un effet. Et là, je vais préparer une petite étiquette où je vais tamponner un joyeux Noël. Donc, j'essaie de mesurer, voir la longueur de mon étiquette. Donc, je vais découvrir, je ne sais plus exactement les centimètres que j'ai fait. Enfin, en gros, que le tampon rentre bien dans l'étiquette. Donc, après, j'ai fait une fausse couture avec un stylo gel blanc pour donner un peu plus de relief à tout ça. Simplement et je vais prendre par la suite une encre blanche d'Ocraft que je vais après embosser à chaud avec une poudre pailletée tout simplement. Donc je me suis reprise à deux fois parce que j'avais fait une petite erreur au début, je pensais que ma poudre embossée était de couleur blanche pailletée mais pas du tout, elle était juste pailletée, donc voilà, une petite erreur. Donc ce que j'ai fait, juste retourner mon étiquette et j'ai recommencé de l'autre côté. Donc voilà ce que j'ai fait pour voilà pour rattraper mon tout ça. Donc vous allez peut-être le voir que de l'autre côté quand je vais coller on voit mon erreur, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc j'ai pris donc du coup mon encre blanche que je tamponne et par la suite je vais donc embosser tout ça pour faire un peu plus d'effet. Si je parle trop vite, dites-le moi, peut-être je vais vite parce que c'est mon nouvel ordinateur et je ne maîtrise pas la vitesse où je fais les choses pour l'instant. Donc je me suis reprise à deux fois pour faire la vidéo, donc je suis vraiment désolée de mon retard parce qu'avec mon nouvel ordinateur j'avais commencé à pouvoir filmer en HD, mon montage plantait complètement, donc j'ai dû retravailler le format du fichier, le retransformer dans un ancien format pour pouvoir au moins vous présenter cette vidéo, tout ça. Donc vraiment je suis désolée si j'étais un petit peu absente dernièrement. Je vais essayer de me rattraper rapidement. J'ai d'autres projets en tête. J'en ai un qui j'ai commencé à filmer, mais je pense que je vais reprendre un petit peu tout ça et vous le filmer en HD. J'espère que je pourrai vous faire le montage assez rapidement parce que c'était quelque chose qu'on m'a demandé. Donc, je vous dis pas ce que c'est pour que vous ayez la surprise. Donc, là, excusez-moi, je reprends le fil de l'histoire de mon papa. Donc, là, je vais coller tout ça. Donc, j'utilise souvent
double face hein, pour coller. Je trouve que ça permet de, ça évite de faire gondoler les choses. Donc là, pour la base, je l'ai collé donc avec du double face. Et par contre, les étiquettes, c'est vrai que j'ai un peu regretté, j'ai utilisé de la colle et je trouve que ça gondole un petit peu. Vous voyez qu'on peut voir un petit peu que de l'autre côté, il y avait mon erreur qu'on voyait derrière. Donc je m'étais complètement trompée sur ma poudre à embosser. Donc voilà. Donc ici, du coup, hop, je colle tout ça. Puis comme ça, je trouve que ça va gondoler un petit peu, je vais mettre un peu du poids dessus pour que ça se colle bien. Donc voilà, j'ai mis un petit peu trop de colle, donc je l'ai un peu enlevé avec mon pinceau, tout simplement. Voilà, je mets un petit peu de poids pour que ça tienne bien. Là, donc là, je mets juste un petit point de colle rapidement pour que ça. Voilà, je me dis, je vais pas mettre de la mousse 3D, ça fera un peu trop de relief. Par contre, la gorgeuse, je vais la coller avec de la mousse 3D, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo, voilà, je suis en train de terminer la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense en retard comparé à beaucoup de monde sur les cartes de Noël, mais bon, c'est la première année que j'en fais, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les mettre en commentaire. Si vous voulez voir la suite de mes vidéos, mes séries, j'ai plein de choses en tête, mais j'ai peu de temps pour le faire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et donc je vous dis à très bientôt les scrapeuses et scrapez bien.